à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autolégende inédit. Aujourd'hui, je me trouve dans ce que l'on pourrait appeler un cimetière d'avions, ou plutôt le musée des ailes anciennes. Autour de moi, de nombreux avions de chasse, mais aujourd'hui, c'est bel et bien une voiture que je vais vous présenter, et croyez-moi, elle n'a rien d'un mirage. Salut Olivier, enchanté. Salut Angélique. Bon alors regarde, je t'ai préparé une petite surprise aujourd'hui. T'as vu qu'on est dans un endroit un peu particulier, je sais pas si tu connais ou pas oui, du tout. Oui, en fait je connais très bien. Ouais, ah mais mince, alors l'effet de surprise c'est raté. Ouais, comment ça se fait que tu connais cet endroit? En fait, je suis venu il y a quelques années pour visiter. Ouais. Et j'ai une petite anecdote d'ailleurs, parce que le jour où je suis venu avec une voiture neuve et je suis tombé en panne. Ah, avec la voiture neuve? Ouais. Et donc, on l'a poussée à l'intérieur et elle a passé la nuit ici. Et on est venu la dépanner le lendemain. Ah, ta voiture a passé la nuit ici? Ouais. Avec les avions? C'est ça. Ah ben, dis donc, c'est assez original. Ouais. Bon, et du coup, tu vas m'en présenter une quand même voiture qui marche aujourd'hui? Oui, qui marche quand elle veut, mais... Ah, ouais. Bon, bah allez, on va aller la découvrir alors. Ça marche. Bon, Olivier, bah écoute, une Lotus Turbo Esprit. Exactement. Une magnifique voiture. Voilà. De quelle année elle est celle-ci? 1982. 82, donc c'est une S3 alors? C'est ça. D'accord, donc blanche comme ça, avec les petits rayures rouges sur le côté, c'est une peinture d'origine ou pas? Elle n'était pas très loin de comme ça. J'ai repeint la partie avant, j'ai repeint les pare-chocs. Mais en fait, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit... qu'on voit qu'elle est vécue en fait. Je veux pas une voiture parfaite. D'accord, parce t'aimes que, bien parce la garder dans son jus. Surtout parce que je m'en sers. En fait, c'est... Je roule tous les jours en Lotus, celle-là ou une autre. Et, parce que t'en as d'autres aussi. Parce que j'en ai d'autres. Et en fait, oui, c'est ma voiture quotidienne. T'as que des Lotus? Oui. D'accord, donc tu as combien de modèles de Lotus? Là, en ce moment, j'en ai 4. Que des modèles différents, oui. Des anciens, plus récents? Non, c'est la seule ancienne. Les autres sont plus récentes. Et j'en ai eu 15 en tout. Alors Olivier, je vois que tu as le blason Lotus noir, donc ça veut dire que cette voiture est sortie après le décès de Colin Chapman, c'est ça? Parce exactement. Que tous les blasons sont devenus noirs après son décès. C'est ça, à l'origine il est jaune, ah, et voilà. Colin Chapman est mort en 1981, et donc cette voiture est de 82, et à partir du décès de Colin Chapman, pendant quelques années, le blason était noir, ouais, c'est ça. Et là, donc du coup, si on se décale un peu, donc toi, tu me disais que tu avais repeint. Donc c'est toi qui repeins ou tu l'as fait repeindre par quelqu'un? Non. Alors j'ai fait beaucoup de choses sur la voiture. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris parce que j'étais un petit peu néophyte, mais donc j'ai acheté les manuels techniques. Donc j'ai refait les circuits électriques. J'ai même sorti le moteur. J'ai refait le moteur. D'accord. Mais la peinture, non, je ne suis pas assez bon. Non, le bloc avant a été repeint, le côté n'a pas été repeint, l'arrière a été repeint. Ouais. Enfin, les rétro aussi, non? Non. Ils sont... Ah non, non, ils sont d'origine. Le rétro est d'origine. Là, d'accord. Tout le côté, il est d'origine. Et la sellerie, je l'ai faite refaire en Angleterre aussi. La sellerie en Angleterre? Oui. Oh, et alors, mais les ça travaux, se passe, en fait, je les ai fait faire en Angleterre. Tout ce que je n'ai pas fait moi-même, ça a été fait en Angleterre. Et alors, tu me disais donc, Olivier, que tu avais fait faire tout l'intérieur. Parce que l'intérieur est magnifique, ce rouge comme ça, c'est qu'est-ce que c'est? C'est du cuir? Oui, c'est du cuir. Alors, à l'origine, je l'ai refait faire exactement comme il était à l'origine. D'accord. Voilà, moi, quand je l'ai acheté, l'intérieur était comme ça, mais il était tout craquelé, tout... Ouais. Voilà, je l'ai gardé pendant quelques années quand même. Et c'est parmi les dernières choses que j'ai fait faire sur la voiture, en fait.
Et d'ailleurs, tous les travaux que je n'ai pas fait moi-même, je les ai fait faire en Angleterre. Et alors, comment ça se passe? Parce que du coup, tu prends contact, toi, directement avec quelqu'un en Angleterre que tu connais, ou c'est la marque qui t'envoie là-bas? Comment ça se passe? Non, il y a beaucoup de spécialistes. Tu m'autorises à monter? Vas-y, vas-y. Ah, super. Avec plaisir. J'ai envie depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup de spécialistes en Angleterre. En fait, ils sont très, très soucieux de leur patrimoine. Et donc, que ce soit Lotus ou Jaguar, il y a beaucoup d'artisans qui refabriquent les pièces qui n'existent plus. D'accord. Et donc, ils ont tout, ils ont les moules, ils ont les modèles, ils ont absolument tout. En tout cas, c'est vraiment très, très bien refait. Hein. Ah, c'est refait exactement à l'origine, avec ces plis-là. Les plis sont d'origine. Ah, les plis, c'est-à-dire c'est sorti d'usine comme ça. D'accord. C'est-à-dire ce plissage-là que tu vois sur les sièges. Tout ça, c'est vraiment comme ça que c'est sorti. Quoi. C'est magnifique. Et qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Qu'est-ce que tu as d'origine, si je puis dire? Et qu'est-ce que tu as en option? Est-ce que tu as des choses que tu as rajoutées, toi, en option? À part la radio, non. À part la radio et le haut-parleur, tout est d'origine. J'ai changé, tout est d'origine. Et voilà. Et puis la particularité quand même de cette voiture pour l'époque, c'est qu'elle a la climatisation. Ah ouais. Automatique. Ah, la climoto. Ouais. Waouh. Début des années 80, la climoto, super. Voilà, qui était une option. Ah oui. Sur air conditionné. Eh bien écoute, Olivier, maintenant que j'ai découvert un petit peu plus ta Lotus, je te propose qu'on change de décor, qu'on prenne un petit peu de hauteur et qu'on aille parler de toi. Bon alors du coup, Olivier, raconte-moi un peu d'où vient cette passion pour les Lotus, du coup, si j'ai bien compris. Oui, alors c'est une vraie passion pour les Lotus, c'est une passion qui est venue un petit peu par hasard. Ouais. Depuis tout petit, en fait, j'adore les voitures de course. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment tout petit, les voitures de course. Petit quel âge? Petit, 3 ans. Ah ouais, petit, ouais. 3 ans. Ah ouais, 3 ans, à 3 ans, mon rêve secret, c'est d'être pilote de course. Ah ouais. Et donc, dès que je vois une voiture dans la rue, une voiture de sport, à l'époque, c'était des matras, on ne voyait pas beaucoup de voitures de sport. Et donc, un jour, j'ai vu une Lotus Esprit et je me suis dit, il faut que j'en ai une. Donc, ça ne t'a pas quitté de tout petit, non, jusqu'à 10 ans, ça ne t'a pas quitté? Non. Et ça vient pas de ton père? Personne n'avait de voiture dans la famille? Parce que moi, je viens d'un milieu très ouvrier, donc très modeste. Et même dans mon milieu, ça se fait pas, quoi. C'est-à-dire, on n'a pas, c'est pour les autres, c'est pour les gens qui ont de l'argent, c'est pas pour nous. Nous, on est des travailleurs, on n'a pas de voiture, on n'a pas ce genre de plaisir. J'ai gardé ça en moi pendant très longtemps, et jusqu'au jour où je me suis dit, non, mais là c'est pas possible, quoi. Il faut que j'ai une Lotus, quoi. Ah ouais. Il faut que j'ai une Lotus Esprit, c'est-à-dire celle-là. C'est-à-dire, c'est vraiment celle-là que je voulais en plus. D'accord. Je la voulais blanche, intérieur rouge, c'était cette voiture que je voulais. C'était celle-là. Ouais. Et alors du coup, donc là tu me dis t'avais à peu près 10 ans, alors jusqu'à tes 18 ans, j'imagine que ça ne t'a pas quitté non plus. Non. Est-ce que tu as eu d'autres voitures? Est-ce que c'est la première que tu as achetée? Oui, c'est la première que j'ai achetée. Alors, comme je te dis, venant d'un milieu modeste, il y a aussi une question financière. Donc, il a fallu que financièrement, je sois capable d'acheter une voiture. Ben oui. Et donc, il a fallu que j'ai 30 ans. Tu as attendu tes 30 ans pour te l'offrir. Voilà. Et en plus, je me suis acheté une voiture en mauvais état. C'est-à-dire que vraiment, là, la voiture, elle avait été... Je suis allé la chercher à Lille. Et il avait été massacré. Ah mince. Ah ouais, le moteur, c'était plus le moteur d'origine. Les circuits électriques, ils avaient été complètement bidouillés. Enfin voilà. Et est-ce que tu as eu justement une autre marque que Lotus? Est-ce que tu as eu d'autres voitures? Alors, oui, j'ai eu d'autres voitures. Enfin, j'ai eu une Ferrari 308 d'ailleurs, de la même année. Oui, c'est la concurrente officielle, ouais, du coup. Exactement, la concurrente officielle, mais qui m'a beaucoup déçu. Bah, de toute façon, tu étais amoureux de celle-là, donc on aurait pu te mettre n'importe laquelle avec. C'était, alors, c'était oui, foutu. Oui, oui et non, parce que en même temps que j'ai acheté... finalement, c'est une bonne pioche, on va dire, parce qu'au-delà du fait que c'est une voiture que j'adore esthétiquement, c'est une super voiture. Voilà, c'est une voiture qui est directement issue de la Formule 1 dans sa conception. Donc, et c'est une voiture géniale à conduire. C'est une voiture très agréable, très moderne dans sa conception. On a toutes les sensations de conduite vraiment très présentes, ce qui n'est pas du tout le cas de la Ferrari. Elle a un look, elle a,
elle a un super moteur, c'est des vrais motoristes. La Ferrari a beaucoup de qualités, mais par contre, au niveau toucher de route, une Lotus, c'est incomparable. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai découvert à travers Lotus, j'ai découvert ce que c'était le plaisir de conduite. Et comme tu me disais tout à l'heure que tu avais découvert un peu l'univers routier, entre guillemets, avec la Lotus Esprit, le toucher de route, tout ça, est-ce que tu as fait du circuit avec ? Alors, pas avec celle-là. Honnêtement, elle est quand même un petit peu ancienne, même si je pense qu'elle se débrouillerait bien. Mais qu'elle est faite pour ça quand même. C'est... Oui, elle est faite pour rouler vite sur la route, sur les routes sinueuses et tout, mais pas tellement pour le circuit. Non, je le circuit, par contre, ça m'arrive d'en faire dans le cadre du Club Lotus, que je salue d'ailleurs. Mais tu as déjà fait du circuit avec d'autres Lotus. J'ai déjà fait du circuit, voilà, je suis allé à Poarnos, je suis allé à Albi, je suis allé à Nogaro. D'accord. Eh bien écoute, moi je te propose de te laisser en compagnie de notre consultant qui lui, il les connaît très bien les circuits. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Je suis ravi de pouvoir découvrir cette Lotus Esprit. Écoute, au niveau du design, je trouve ça juste magnifique. Elle fait penser à quelque chose, cette voiture. Elle me fait penser un peu à la DeLorean. C'est Monsieur Giugiaro. Oui, tout à fait. C'est le même designer. En fait. D'accord. C'est d'une part le même designer et le même ingénieur. Les gens le savent peu, mais c'est Lotus qui a construit la DeLorean, enfin le prototype. Ok. Parle-nous un peu du train avant. Alors en fait, il faut comprendre que c'est une voiture qui est complètement dérivée de la F1. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une vraie sportive. On a une coque en fibre qui est sur un châssis qui lui-même est dérivé de la F1. D'accord. C'est-à-dire qu'on a un train avant hyper directif. D'accord. Avec une voiture très légère. Ok. Après, on parlait de quelque chose tout à l'heure qui est assez incroyable. C'est une des premières voitures qui a l'esprit aérodynamique. Oui. C'est ça. Parle-nous un peu. Déjà, quelle est... On sait, c'est Colin Chapman. Qui l'a dessiné cette voiture ? Voilà. Alors, c'est pas Colin Chapman qui l'a dessiné, mais c'est Colin Chapman qui l'a conçu. D'accord. Évidemment, en collaboration avec Giugiaro. Bien sûr. Et surtout, Colin Chapman, il faut comprendre que avant Lotus, aucune écurie anglaise n'avait brillé en F1. Bien aucune. Sûr. C'est-à-dire, bien c'est bien. Lotus, c'est la première écurie qui arrive et qui gagne en F1. Bien sûr. Aucune n'avait jamais gagné. Et en plus, ça se ressent dans l'auto, l'aérodynamisme. Le poids de la voiture, c'est ça. Les trains sont hyper légers. Si on démonte la roue, ils sont d'une pareil. Finesse. Ils sont. En fait, c'est un gros dérivé de la Formule 1, quoi. C'est ils ça. Se sont servis de la F1. Le poids, c'est l'ennemi numéro un en course. Et en fait, ils l'ont mis sur leur voiture de route. Alors justement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Colin Chapman, sa devise, c'était light is right. C'est-à-dire léger, c'est bien. Bien sûr. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'avant lui, personne n'avait pensé à alléger les voitures. Ils rajoutaient de la puissance, mais ils n'allégeaient jamais les voitures. C'est lui le premier qui a dit, pour aller vite, il faut être léger. Moi, je trouve ça exceptionnel, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Ça. Voilà. En fait, c'est la première voiture de sport à l'époque à avoir de l'aéro. L'aéro, ça a été inventé aussi par Colin Chapman. C'est un génie. C'est lui qui a inventé l'effet de sol. C'est lui qui a jeté les bases de la F1 d'aujourd'hui Bien sûr. Qui est appliqué sur celle-là. D'accord. C'est-à-dire, et spécifiquement sur la S3 Turbo, puisque les versions atmosphériques n'ont pas d'aéro. D'accord. Et sur celle-là, donc il y a de l'aéro avec ce spoiler avant, avec un fond plat. Même, on voit aussi qu'il y a de l'aéro sur le capot avant. Oui. Qu'il n'y avait pas avant. Première voiture avec un fond plat, c'est-à-dire avec un effet de sol. Bien sûr. Avec les bas de caisse pour refroidir le moteur. Bien sûr. Et l'aileron arrière aussi, c'est la première fois. C'est vraiment excellent. Alors, les jantes, c'est des jantes en acier ? C'est jantes, non, jantes alu. Alu, ouais. Jantes alu, 15 pouces. Toujours dans l'esprit, on gagne du poids. Ouais, BBS. Et c'est vrai, tu nous parlais des refroidissements, là. C'est pour le moteur ou pour les freins ? Non, c'est pour refroidir le moteur. Ça. Tu vas me le montrer, ce moteur, s'il te plaît ? Et oui. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs que par rapport aux autres versions, le moteur s'est complètement ajouré, justement pour les mêmes raisons. Un moteur central. Moteur central arrière, oui. Tout à fait. Tout pour que ça soit le plus sportif possible. Le moteur est contre l'habitacle. D'accord. Justement, tout à l'heure, on parlait de la DeLorean. La DeLorean, on est un moteur qui est en porte-à-faux. Comme les Porsche. Voilà. À l'arrière complet. Voilà. Alors que là, le moteur, il est au centre, c'est-à-dire il est entre les deux essieux. Sur circuit, c'est plus simple. Voilà, c'est la meilleure conception qu'il soit.
Ah, donc voilà. C'est vrai qu'on voit bien qu'il est central, quoi. Voilà. C'est vrai, comme tu disais, sur les Porsche, par exemple, le moteur, il est vraiment collé à l'arrière. Là, il est au milieu. Donc, voilà. C'est sûr que en balance, en performance, c'est mieux un châssis. Voilà. Et en plus, c'est une GT, donc t'as un vrai coffre. Et il y a un coffre en plus. Et par contre, les affaires, elles doivent être chaudes, non quand, un peu, quand un peu. Ça, il faut pas mettre du surgelé. D'accord, alors vraiment, c'est un gros moteur. Ouais. Par contre, il manque un bout. Ouais. Explique-nous. En fait, au départ, Colin Chapman, il souhaitait un V8. D'accord. Mais ils n'avaient pas les moyens de développer un V8. Pas les moyens, et puis le poids aussi. Et aussi sûrement le poids. Donc en fait, il a fait un demi V8. D'accord. Et le projet, c'était dans les versions suivantes de faire la version d'ailleurs qui existe, le prototype existe. Donc là, on était sur un 4 cylindres à 45 degrés, bien donc sûr. Avec les 8 cylindres. Ah, c'est une histoire de budget. Ouais, c'est une histoire de d'accord. budget. Ouais. Donc ça développe combien? Sur le papier, il y a écrit 210 chevaux. C'est mais... ça. Là, elle est passée au banc à 250. Comment tu l'expliques? C'est parce qu'il est bien conçu. C'est-à-dire, c'est le 4 cylindres. À l'époque, il y avait le plus de rendement au litre. D'accord. C'est-à-dire qu'on en avait plus de 100 chevaux au litre. D'accord. Donc ça consomme beaucoup? Et non. En plus, ça consomme pas beaucoup. Parce que pour moi, un V8 consomme beaucoup plus. Oui, ah, clairement. Ouais. Clairement, non. Là, tu vas être à 10-12 litres. D'accord. Pour une voiture, pour une sportive de 82, ça ne consomme pas énorme. Non. Avant, on était plus sur du 20 litres. Et surtout que tu verras, hein, ça envoie. Ouais, d'accord. Bon, ben, on va aller essayer cet auto. Ouais. Allez, c'est parti. Ça y est, on y est. Ouais. Ma première sensation dans cet auto, c'est la stabilité et le confort de la voiture. Ouais. C'est vraiment très confort pour une voiture, pour une sportive. Ouais, c'est très étonnant, oui. C'est vraiment très étonnant. C'est vraiment hallucinant même. Parce que, comme tu le sais, on a fait plusieurs émissions avec des sportives qui ont un certain âge comme la Lotus. Et c'est la première fois où je me sens aussi confort dans une auto, dans une supercar, quoi. Oui, parce qu'effectivement, malgré le fait que le moteur, beaucoup ont blâmé ce moteur parce que ce n'était qu'un 4 cylindres, qu'il n'a pas la noblesse d'un V8, en tout cas, s'il n'en a pas la noblesse, il en a la puissance. il en a la puissance et en plus, c'est un moteur qui est doux. Oui, il est très onctueux. Effectivement, il est très élastique en fait, ce qui est assez sympa. Et ce qui est, il faut quand même le dire, hein, tu t'en sers tous les jours dans la voiture. Alors, pratiquement. Alors, à l'époque, je m'en servais, maintenant, je m'en sers moins parce que j'en ai d'autres. Et à l'époque, c'était ma seule voiture. Donc, effectivement, je m'en servais tous les jours. C'est pour ça que tu l'as détesté à ce moment-là. Voilà, parce que je tombais en panne. T'avais pas le spare. Voilà, non, j'avais pas de plan B. J'avais refait le moteur, mais j'avais dû faire des erreurs. Donc, le moteur, il a lâché. Et donc, j'ai pris la décision de l'amener en Angleterre. Puisqu'en Angleterre, ils ont vraiment tout. Tout remis droit. Tout et puis ils ont surtout tous les modèles, tous les types de cuir, toutes les pièces et à des prix où vraiment j'ai été à un quart de ce que j'aurais payé en France, honnêtement. Pourquoi s'embêter alors que eux, ils savent le faire à l'origine, c'est-à-dire avec les plis, avec exactement quand elle est sortie d'usine. Comme d'origine, comme tu le souhaites. Voilà. Ouais. Et alors qu'en France, j'aurais galéré, j'aurais pas été content, j'aurais fait refaire plusieurs fois, on se serait fâché. Ouais. Après, j'ai une petite question. Quels sont les points faibles de cette auto en fait? Boîte de vitesse peut-être? Boîte de vitesse, oui, parce que c'est une boîte de vitesse Citroën. Alors, au départ, c'est une boîte de vitesse SM. D'accord. Et très rapidement, comme la SM se fabriquait plus, c'était une boîte de vitesse C35. Mm-hmm. Donc, c'est quand même une boîte de vitesse qui est un peu datée. D'accord. Avec un guidage qui est quand même imprécis. Ok, il n'y a pas les ressorts comme peut avoir la 308. Voilà, par exemple, là, la Ferrari là-dessus, sur la partie moteur-boîte, la partie engineering du moteur-boîte.
n'y a rien à dire. C'est impeccable, les rapports ils sont parfaits. En fait, si on fait mix 308 et la Esprit, on fait la voiture parfaite. Voilà, sauf que je garde ce moteur quand même. Ouais, ouais, ouais. Le moteur, tu vas. Parlons aussi des. Tout ce qui est train roulant. Train roulant, voilà. Voilà, alors, sur la Ferrari, châssis, ça fait 50 kg pour une roue. Sur celle-là, c'est 15 kg. Voilà, et puis surtout la précision du châssis. Oui, le moteur central. Voilà, moteur central. La Ferrari aussi d'ailleurs, il est très compact, le moteur, le V8, il est très bien fait d'ailleurs. Il est contre les sièges, il n'y a rien à dire, mais le moteur, il est un peu creux. Alors que là, on a un turbo, on a un 2,2 litres, on a 250 chevaux, on a 200 kg de moins. Et on a 1100 kg, surtout. Et puis surtout, on a un toucher de route. Alors c'est pour moi c'est un peu comment dire, c'est un peu bonne pioche, hein. C'est-à-dire que finalement quand je l'ai acheté je connaissais pas grand chose. En fait t'en es tombé amoureux quoi. J'étais amoureux d'un look. Là, pour moi ça c'était la voiture parfaite. Et c'est finalement encore toujours aujourd'hui la voiture parfaite. Bien sûr. C'est-à-dire l'équilibre parfait. C'est ce que je sens. C'est-à-dire dès que tu mets de l'angle de volant, la voiture elle vient de suite, elle est bien tenue sur le train arrière. Alors que bon, quand on a un train avant l'attaquant, on va dire, on peut se dire que l'arrière peut venir de suite. Mais c'est... pas du tout. Ça, c'est dû au moteur central. C'est ça, exactement. Et surtout, en suspension, elle est vraiment au top, quoi. Parce que tu sens que c'est à la fois dur, mais ça absorbe tous les défauts de route. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle est typée, GT sans perdre du côté incisif. Bien sûr. Ce qui est assez rare, c'est-à-dire normalement c'est un compromis, et là le compromis il est plutôt favorable au côté joueur, d'accord, au côté sportif, et ça c'est aussi dû au poids, hein. il faut pas se le cacher, c'est-à-dire que dès que tu rajoutes du poids, tu durcis la suspension, tu perds du confort, tu uses tout plus, c'est ça, bien sûr. Du coup, ton freinage est moins incisif parce que les disques, c'est des petits disques. Hein. On n'est pas, c'est pas des disques ventilés, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Parce qu'elle est légère. Par rapport à une autre supercar de la même année, c'est une voiture qui fait 250 kg de moins. C'est ça. Monstrueux. Exactement. C'est monstrueux. Et finalement, si on a 240 chevaux sur celle-ci, on gagne quand même 250 kg par rapport à une Ferrari. Ça change tout parce qu'on n'a plus besoin d'avoir un moteur monstrueux finalement. Ben c'est ça. Mais c'est ce qu'a toujours fait Lotus. Quand ils sortent l'Elise, la voiture fait 680 kg, 120 chevaux. Tout le monde dit, oh elle a que 120 chevaux. Non, elle fait 680 kg. Les gens qui ne connaissent pas sont les premiers à regarder les chevaux. Ouais. Moi ce que je regarde en premier, c'est le poids. Bien Et sûr. Le poids, c'est ce qu'il y a de plus important sur une voiture. En tout cas, je te remercie. Je me suis vraiment régalé. C'est une très bonne auto, un confort fou. Merci pour tout. Mais avec plaisir. Honnêtement, pour moi, c'est un réel plaisir de partager avec des passionnés d'automobile, ma passion et mon travail. Et aussi pour tous les amoureux de Lotus, dont on ne parle pas beaucoup. Comme quoi, il y a encore des amoureux de la voiture. Voilà. Et vous voilà de retour. Alors, comment c'était cette petite promenade? J'ai pris un réel plaisir parce que la voiture, par rapport à ce qu'on a pu essayer dans l'émission, le confort de cette auto est impressionnant. Bah oui. C'est impressionnant, on est allongé. Alors, bien entendu. Tu t'endors pas quand même. Exactement. On s'endort pas parce que dès qu'il appuie, Olivier, je peux te dire qu'on sent les 240 chevaux. Voilà. Bah, il appuie bien, ouais, Olivier, ça va. Ben oui, écoute, je lui ai montré en fait la tenue de route et le train avant et comment même quand on reste sur un filet de gaz, comment ça accroche dans les virages et comment en fait le comportement de la voiture est très moderne et très actuel. C'est vrai que pour une voiture qui a quand même 30 ans, ouais. 40 ans par rapport à la conception, tout ça, c'est vrai que c'est une voiture qui est collée au sol, très surprenant le train avant, ouais. C'est très directif, c'est très sympa et surtout ça vient pas de l'arrière. On a les petites routes. C'est vraiment une auto où on peut prendre du plaisir. On sent le turbo. Ouais.
un régal. Bon, bah, écoute, en tout cas, Olivier, on tient avec Morgan à te remercier pour nous avoir présenté cette magnifique Lotus. Ben, ça m'a fait plaisir, en fait, parce que c'est une voiture qui est assez rare. Et donc, je suis très content de pouvoir la faire découvrir. Et ça me fait plaisir aussi pour tous les passionnés de Lotus. Eh bien, écoute, en tout cas, ça nous a bien fait plaisir à nous aussi. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode d'Auto Légende. Salut !